Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind du Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. Donc je vous souhaite le bienvenu dans cette première vidéo de l'année 2021. Moi je l'ai enregistrée en 2020 mais je sais que vous allez la regarder en 2021. Je vous souhaite encore une fois tous les meilleurs pour cette nouvelle année. Donc tous mes meilleurs voeux. D'abord la santé, évidemment c'est le plus important. Et de toute la bonheur, de la réussite pour que cette nouvelle année deviennent une des meilleures en termes de tout le succès de tous vos projets. Et moi, je veux faire ma petite contribution avec le projet Mind du Cash pour vous aider dans la partie financière de votre vie, dans la partie d'investissement plutôt orientée bourse, mais pas que. Donc, vous savez très bien, si vous connaissez la chaîne Mind du Cash, vous savez que nous avons beaucoup, beaucoup de sujets sur la chaîne, non seulement la bourse. Et donc, j'espère que nous allons rester ensemble dans cette nouvelle année 2021. Je vous invite à vous inscrire à la chaîne afin de ne pas rater mes prochaines vidéos, comme d'habitude, de me mettre des likes si vous aimez mes vidéos. Donc, nous commençons cette nouvelle année par le secteur pharmaceutique. Il y a quelques semaines, je vous ai présenté une vidéo qui s'appelle La répartition, où je montrais la structure cible de mon portefeuille. Donc, je vais encore vous donner la référence de cette vidéo. Et cette vidéo, quelque part, elle va nous guider dans cette nouvelle année 2021 pour des vidéos sectorielles. Parce que dans chaque vidéo sectorielle, je vais vous présenter le secteur que moi, je veux avoir dans mon portefeuille et quelles sont les sociétés au sein de ce secteur que j'aimerais bien viser. Quels sont les points d'entrée, quels sont leurs critères fondamentaux pour vous donner toute l'image complète de quelles sont en gros les sociétés que je chasse en bourse. Voilà, donc j'espère que ça va être super utile parce que comme ça, vous allez avoir une idée comment je fais la sélection des valeurs. Probablement, vous allez découvrir de nouvelles valeurs que vous ne connaissez pas, certainement surtout dans mes secteurs de prédilection comme les biotech et la technologie. Mais aujourd'hui, nous allons commencer par la couche principale de mon portefeuille, une des deux couches principales, c'est le healthcare et le sous-secteur de ce healthcare, c'est les grandes sociétés pharmaceutiques classiques. Voilà, donc aujourd'hui, on va comparer plusieurs entreprises et à la fin de la vidéo, je vais vous présenter quelles seront les entreprises qui font partie de ma sélection Mind du Cash que je veux à terme avoir dans mon portefeuille et celles que j'ai déjà d'ailleurs dans le portefeuille. Voilà, donc commençons. Voilà, sur le premier slide, je vous rappelle quelle était la vidéo où j'ai présenté le portefeuille cible, le portefeuille global Mind du Cash. Et donc, vous voyez que une des deux plus grosses expositions que je veux avoir dans ce portefeuille, c'est le healthcare, le fameux healthcare qui contient les grandes, mais aussi les biotech, mais les fournisseurs des équipements médicaux et les retailers, en fait c'est la vente de détail, les réseaux des pharmacies, etc., etc. Donc aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur les grandes pharma. Donc vous voyez, il y aura beaucoup de vidéos de cette catégorie parce que je devrais couvrir tous les sous-ensembles de mon portefeuille cible, de ma répartition cible. Et donc aujourd'hui, on va parler juste la partie de la ligne healthcare que je vais avoir. Voilà. Donc, et qui correspond uniquement à des grandes sociétés pharmaceutiques. Donc la ligne d'exposition sur le healthcare est représentée par les quatre sous-éléments, sous-lignes on va dire. Donc la première ligne c'est les big pharma qu'on va voir aujourd'hui, la deuxième ligne c'est les biotech, la troisième ligne c'est le matériel médical et la quatrième ligne c'est les drug retailers. Donc il y aura des vidéos à part en fait pour chacune de ces sous-lignes en fait de la partie healthcare. Donc à droite vous voyez que ça fait, en tout ça devrait faire 15% de la répartition globale de mon portefeuille. Pour simplifier un peu ces calculs, à la fin de la vidéo je donnais le portefeuille de base, en fait, comment la répartition en euros devrait, à quoi ça devrait ressembler après avoir, on va dire, acquis toutes ces entreprises dans le portefeuille. Aujourd'hui, nous parlons des Big Pharma. De quoi s'agit-il? Ce sont les Blue Chips. En fait, c'est souvent des sociétés qui sont cotées dans les grands indices, qui ont déjà une ligne des produits stables, en fait, qui sont des fournisseurs des pharmacies, des produits qu'on achète souvent, que sont souvent prescrits par nos médecins traitants. Donc, c'est les aspirines, c'est les différents médicaments de tous les jours. Voilà, donc ça, en fait, c'est des sociétés, c'est pas des sociétés qui créent un produit innovant uniquement, ils ont aussi des produits innovants, mais ils ont déjà
une large gamme de produits que tout le monde connaît. Voilà. Donc, mais pas que, en fait, à part ça, ils ont aussi toute une activité de recherche et développement, et dans leur pipeline, il y a de nouveaux produits innovants qui sont justement, qui font partie de l'industrie future de la médecine. En fait, ça peut être la biotech, ça peut être vraiment la oncologie, il y a beaucoup, beaucoup d'oncologie. Donc, et toutes ces secteurs, des sous-secteurs de la pharma, de pharmaceutique, qui, sur lequel ces sociétés sont positionnées. Donc voilà, donc on va voir tout ça ensemble, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'agit des entreprises qui sont déjà très grosses, qui sont déjà et ont déjà réussi, qui ont déjà des produits, du chiffre d'affaires, du résultat. Et comme ça, on pourra aussi, dans les critères de comparaison entre ces deux sociétés, on va prendre les données historiques. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que souvent j'investis dans les sociétés de croissance. Parfois, il y a même pas de chiffre d'affaires, mais en tout cas, ici, on va regarder les données historiques parce qu'on va analyser à quel point la société était rentable dans le passé. On va se projeter dans l'avenir avec cette société, avec ses produits, à quel point leurs produits actuels sont rentables. Et cela nous permet d'envisager la rentabilité future. Donc évidemment, ce n'est pas une garantie, mais en tout cas, on a déjà une bonne base de rentabilité sur laquelle va probablement se rajouter d'autres produits dans d'autres sous-secteurs de secteur pharmaceutique général. Voilà. Cette Big Pharma va représenter 40% de toute mon exposition de la ligne Healthcare dans le portefeuille. Donc ça, c'est le plus gros poids parce qu'évidemment, cette ligne va comprendre les plus grosses entreprises, les plus solides. Donc ça veut dire évidemment l'exposition sur ce type d'entreprise sera la plus grosse. Souvent, il y a des dividendes, parfois des dividendes généreux et les dividendes généralement largement couverts par le flux de trésorerie et aussi par le résultat. Donc, 35% de cette ligne healthcare sera consacrée au biotech parce que ça peut paraître beaucoup parce que le biotech c'est très volatile, c'est très risqué, mais ça représente ma vision de gestion de mon propre portefeuille. Moi je vise pas mal sur le biotech. Si vous connaissez la chaîne Mind the Cash, vous le savez déjà. Si c'est pas le cas, inscrivez-vous et vous allez le savoir. Donc, et pour ça que j'alloue 35%, ni plus ni moins, pour des biotech. Donc dans les biotech, il y aura encore deux sous-secteurs. On va en parler dans une vidéo qui sera consacrée aux biotech. Ensuite, je consacre 15% de la ligne healthcare pour les sociétés qui s'occupent de matériel médical. Pourquoi je parle de matériel médical? Parce que souvent, la plus grosse rentabilité, on retrouve dans les fournisseurs pour les grosses entreprises. Parce que si vous vous imaginez la clinique qui travaille sur, qui fait des opérations complexes, ils ont un certain nombre de fournisseurs de leur appareil et le changement de ces fournisseurs arrive extrêmement rarement. C'est très rare qu'ils changent le fournisseur de leur matériel et cela permet à ces fournisseurs d'avoir des avantages concurrentiels, ce qu'on appelle parfois les moites. Et c'est des entreprises qui sont souvent très très rentables, parfois plus rentables que leurs clients. Donc du coup, cette ligne à part, je sors à part en fait dans le segment pharmaceutique au sein du portefeuille Mind the Cash. Donc, et la dernière ligne, ça c'est les drug retailers, c'est là où je suis moins convaincu parce qu'après ça se rapproche à la consommation globale, ça se rapproche à la concurrence avec Amazon et compagnie, toutes ces tendances, on va dire, de 21e siècle. Mais ici, je vais plutôt rechercher des entreprises qui visent les pharmacies en ligne et tout ce qui est pharmacie dématérialisée. Donc on a déjà dans le portefeuille POA, on a investi dans une société française PharmaGest Interactive qui a fait déjà une superbe performance depuis 2-3 mois, donc on doit être dans les alentours de 40%, c'est incroyable. Et ça, c'est une société IT, mais par contre qui travaille pour des pharmacies. Donc ce type d'entreprise, même si c'est l'entreprise plutôt high-tech, ils vont rentrer quand même dans cette partie de portefeuille parce que moi, je regarde plus quand je analyse la société. Je regarde plutôt à quoi elle est sensible. En fait, évidemment, PharmaGest Interactive, elle est sensible au secteur de pharmaceutique et pas vraiment le secteur d'IT. Donc, même si c'est en elle-même, c'est une société technologique. Mais pour moi, en termes de gestion des risques, parce que quand on fait la diversification, c'est une façon de gérer son risque. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la sensibilité de cette valeur. À quel secteur elle est sensible? Donc, pour moi, PharmaGest Interactive, elle est sensible au secteur plutôt pharma que au secteur technologique. Voilà.
C'est juste vous donner le détail du but en fait. Quand on fait quelque chose, gardez toujours en tête qu'il faut toujours avoir un objectif. Ici, je me suis fixé un objectif global dans la vidéo que je vous ai présenté sur le slide précédent. Ici, nous avons des objectifs plus détaillés, plus ciblés. Donc, et aujourd'hui, on va exactement cibler les Big Pharma. Allez, c'est parti. Première chose, les critères de sélection. Bon, évidemment, on a tout un tas de sociétés pharmaceutiques qui sont cotées en bourse et donc on devrait appliquer certains critères pour choisir les meilleurs parce qu'on veut que des meilleurs, que celles qui génèrent du cash, qui génèrent des dividendes et qui vont prospérer à l'avenir. Donc, premier point. Donc, vu qu'il s'appelle, on parle du Big Pharma, donc Big, cela veut dire market cap. Market cap, c'est quoi? C'est la valeur boursière des entreprises. Et en gros, c'est un critère majeur pour déterminer si c'est une grosse entreprise ou pas grosse entreprise. Donc, je sais qu'il y en a d'autres critères, mais le plus commun, c'est le fameux market cap. Donc, moi, je me fixe market cap supérieur à 50 milliards d'euros ou dollars au franc suisse. On n'est pas vraiment au cours de change près pour ce critère, parce que ces devises sont quand même assez proches. Et donc, ça nous permettra de filtrer des petites entreprises qui sont de nature, évidemment, qui sont plus risquées parce que c'est souvent, ils ont moins de parts de marché. Donc, ensuite, le deuxième critère que moi, je vais regarder, c'est la marge brute. C'est quoi la marge brute? La marge brute, c'est en gros, c'est ce qu'ils encaissent moins ce qu'ils dépensent. C'est aussi simple que ça, sans tenir compte de coûts de structure, de coûts de recherche et de développement, patati patata. En fait, c'est vraiment l'argent qu'ils ont reçu moins la matière première et le coût de production. Voilà, ça c'est la marge brute. Pourquoi elle est importante? Elle est importante tout simplement parce que ça montre la performance potentielle du business model. Donc marge brute, elle est brute parce qu'il n'y a pas de phénomène exceptionnel dedans, il n'y a pas de phénomène de recherche-développement dedans, il n'y a pas de phénomène sur lequel on peut faire des économies. Parce qu'imaginez par exemple la société qui fait des marges brutes énormes et il fait des marges nettes faibles. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'entre les deux, il y a un gros gap. Donc, et s'il y a une grosse crise, cela veut dire que cette entreprise, elle a largement sur quoi économiser. Donc cela veut dire qu'ils ont quelque chose qui bouffe toute leur marge brute pour finir avec une marge nette faible. Donc, et si en cas de crise, ils peuvent couper en recherche développement, ils peuvent couper en coût de structure, ils peuvent délocaliser, ils peuvent embaucher moins du monde, ils peuvent faire plein de choses pour faire ce que s'appelle cost-cutting strategy, afin d'arriver, avant de rapprocher la marge nette et la marge brute. Mais la marge, sans avoir la marge brute importante, on ne peut pas parler de business model performant. D'ailleurs, c'est pour ça, je vais faire une petite parenthèse, c'est pour ça qu'un argument que j'avance toujours pour ceux qui pensent que Tesla, c'est une entreprise qui va dominer le monde dans l'avenir, pour moi, ce n'est pas le cas parce que leur marge brute, elle est faible. En fait, toutes leurs marges sont faibles, sont très faibles, mais la marge brute, elle est quand même très faible pour parler d'une entreprise qui va changer le monde. Si vous regardez la marge brute d'Apple, de Google, d'Amazon, ça n'a rien à voir. Donc, voyez, donc, c'est pour ça que marge brute, c'est important de comprendre voir le potentiel maximal de cette entreprise. Parce qu'ils ne pourront pas, ils auront difficilement aller au-delà de leur marge brute. C'est beaucoup plus important. Donc, augmenter la marge nette en faisant des économies, parce que ça reste sous leur contrôle, c'est faisable, mais augmenter la marge brute, ça veut dire qu'il faut vraiment revoir le business model en lui-même. Marge opérationnelle, c'est quand même assez important pour seule simple raison, parce que c'est une marge dégagée par l'activité principale. Donc si vous imaginez par exemple une entreprise qui a eu soit des résultats exceptionnels, mais ça c'est un cas à part, ou bien qui a investi dans une entreprise qui n'a rien à voir, qui n'est pas dans le même secteur, et ils ont commencé à tirer des bénéfices à partir de cette société. Et il y a eu d'ailleurs un bon exemple sur la côte française, je sais plus comment elle s'appelle Prosus si je ne me trompe pas, en fait, et je crois qu'elle possède un certain pourcentage dans... corrigez-moi si je me trompe, je ne suis pas 100% certain, dans Taiwan Semiconductors, je crois. Et en fait, finalement, la plus grosse partie de son résultat, elle est générée par cet investissement. Et donc, du coup, leur marge opérationnelle, elle est faible, mais par contre, leur marge finale, elle est importante. Mais cela veut dire, c'est pas parce que leur business model, il marche pas, bon, il marche, mais il marche pas aussi bien que le business model de l'entreprise dans laquelle ils ont investi. Donc, pour moi, je cherche une entreprise où leur propre business model, leur activité principale marche bien. Et c'est ce qui représente la marge opérationnelle. ROIC, c'est mon indicateur, un de mes indicateurs préférés pour évaluer la rentabilité de cet investissement. Et cet indicateur,
il est très similaire à la rentabilité quand on investit dans l'immobilier. Donc en fait, parce que c'est la rentabilité qui tient compte de l'endettement de l'entreprise, parce que si l'entreprise a beaucoup de dettes, mais s'il a pris cette dette pour investir dans des entreprises rentables, ça va être représenté dans ce ratio ROIC. Donc ROIC à 10%, moi je considère comme intéressant, comme une entreprise très rentable. EV EBITDA, pour moi, c'est mon meilleur indicateur pour évaluer la valorisation de l'entreprise. Est-ce qu'il est cher sur le marché ou est-ce qu'il n'est pas cher sur le marché? J'utilise ce ratio au lieu de PER. Donc voilà, je vais enregistrer une vidéo certainement sur ce ratio pour vous parler plus en détail. Mais en tout cas, pour ce type d'entreprise, je regarde les EV EBITDA. EV, c'est valeur d'entreprise, c'est Enterprise Value. Donc qui est inférieur à 20%, donc c'est bon, 20 c'est quand même déjà beaucoup, en dessous de 10 c'est vraiment des entreprises qui sont souvent sous-évaluées. Voilà, donc ça sera mes critères majeurs, c'est mon screener si vous voulez, pour sélectionner les valeurs pharmaceutiques qui m'intéressent. Évidemment j'ai mis aussi le filtre sur les pharma, j'ai exclu pas mal de biotech et toutes les autres sous-secteurs qui ne sont pas les big pharma, et donc du coup pour vous qui les laissez avec la liste que vous allez voir tout de suite. Voilà, après avoir lancé ce screener, je me suis retrouvé avec les valeurs que vous avez sur votre écran. C'est donc CABV, Merck & Co, Amgen, Biogen, Johnson & Johnson et Roche Holding. Voilà, ça ce sont les sociétés qui respectent mon filtre. Voilà, donc ça c'est des sociétés dans lesquelles je vais évidemment m'intéresser. Par contre, moi je vais éliminer de cette liste Amgen, Biogen, qui est d'ailleurs Biogen que j'ai dans mon portefeuille déjà, et Abvi, parce que pour moi c'est plutôt le secteur de biotech, et je vais évoquer ces sociétés dans la vidéo qui sera concernée à des biotech. Voilà, et d'ailleurs pour des biotech je vais avoir d'autres critères. Vous allez voir que selon le secteur dans lequel nous sommes, on va pas avoir les mêmes critères. Ça c'est super important dans l'investissement, parce que vous me posez souvent des questions dans les commentaires, quels sont des critères de screening que j'utilise, mais c'est impossible de répondre à cette question parce que tout dépend. Donc vous voyez dans cette vidéo que tout dépend non seulement du secteur, mais même de sous-secteurs au sein de grands secteurs, quels sont les ratios applicables. Ici, les ratios que je viens de vous montrer, pour moi, selon mon avis, sont applicables pour choisir les meilleurs. Pour les biotech, vous allez voir que ça ne sera pas forcément les mêmes. Pour les sociétés technologiques, encore moins. Donc, et pour des sociétés, on va dire value, d'autres sociétés, d'autres types de sociétés, je vais regarder absolument autre chose. Voilà. Donc, ici, donc du coup, je vais garder quelques valeurs. Donc Roche Holding, ça c'est la plus grosse ligne dans mon portefeuille actuel. Si vous me suivez, vous avez le portefeuille Mind du Cash. Ma plus grosse exposition, c'est le Roche Holding, la société suisse. Et les autres, on va voir aujourd'hui. Je fais aussi une liste des autres entreprises que moi je trouve intéressantes, mais qui ne respectent pas un ou plusieurs critères de mon screening. Mais il ne faut pas les oublier quand même, parce que ça reste des grandes sociétés pharmaceutiques. Donc ça, Sanofi, Pfizer, Novartis. Ça c'est encore en Suisse, et Bayer. Et donc on va pas voir Novartis aujourd'hui, mais en tout cas on va voir Sanofi, Pfizer et Bayer. Voilà, et là on va commencer après sur des slides suivants, on va faire un tour de ces entreprises et commencer, et je vais vous expliquer pourquoi moi je trouve qu'elles sont intéressantes. Voilà, sur le slide suivant, j'ai voulu vous présenter les ratings des meilleurs pharma, les meilleures sociétés pharmaceutiques selon les différents médias financiers. Donc après c'est Business Insider, bon j'ai pas noté les sources, mais croyez-moi sur parole, c'est que ce sont des sources très respectueuses. Pourquoi je l'ai fait? Parce que je voulais quelque part valider ma sélection. Donc si ici je retrouve d'autres entreprises que moi j'ai choisi dans mon screener, alors probablement mon screener elle est un problème et il faudrait le modifier afin de l'affiner pour faire entrer les entreprises qui sont selon les médias respectueux sont les meilleurs pharma au monde. Donc, mais par contre cette statistique montre sans doute que ma sélection elle est plutôt bonne, parce qu'on retrouve à peu près les mêmes valeurs, c'est le Roche Holding, Pfizer, Merck & Co. Donc après il n'y a pas de Bristol Myers, mais Bristol Myers n'a pas rentré, n'a pas respecté mes critères. Donc en tout cas on voit que des sociétés, on retrouve plus ou moins les mêmes entreprises du même secteur.
Là, je vais vous lire quand même les noms de ces entreprises. Probablement, c'est pas très. Je sais pas si vous voyez bien sur cet écran. Donc, il y a quatre sources en fait. Selon le premier, c'est Pfizer, Roche, Merck, Janssen. Janssen, d'ailleurs, c'est une filiale de Johnson & Johnson, donc c'est bon. Novartis, Amgen, c'est une biotech. Gilead, c'est une biotech. Après Novo Nordisk, ça c'est notre mais qui n'a pas rentré dans ma sélection. Donc AstraZeneca, c'est une biotech. Et l'autre GSK. Voilà, l'autre source est Roche encore, Novartis, Pfizer, Merck, Bristol Myers, qui n'est pas rentré dans ma liste, mais vous pouvez regarder si ça vous intéresse. Johnson & Johnson, Sanofi, AbbVie, GlaxoSmithKline et Takeda. Takeda, d'ailleurs, je ne connais pas, c'est japonais, donc moi je ne connais pas très bien. Après, ça c'est la liste de 2020, donc c'est Roche, Novartis, Pfizer, Merck, encore une fois, toutes les mêmes. Ensuite, Novartis, Sanofi, Milan, Servier, Pfizer, Merck, Johnson & Johnson, Roche, Bristol, Meyers, Bayer, GSK, Gilead, AbbVie, Amgen, mais ça c'est les biotech, Teva, AstraZeneca, Celgene, Novo Nordisk, Fresenius, ça je ne sais pas ce que c'est, Aurobindo non plus, je ne sais pas ce que c'est. Bon, en tout cas, voilà, ça c'est selon les différents médias. Et d'ailleurs, la dernière liste qui est la plus complète, c'est Business Insider, comme si je me souviens bien. Voilà, ben, dans tous les cas, on n'est pas à côté de la plaque, on peut continuer à analyser nos entreprises, on n'a pas trouvé, on est plus ou moins en ligne avec les analyses des professionnels. Parce que je vous rappelle que moi, je suis un amateur. Et tout ce que je fais ici, encore une fois, c'est un disclaimer, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est mon propre avis. C'est ma propre sélection, selon mes propres critères, ces entreprises m'intéressent. Après vous, je vous présente la liste complète, quasiment, vous êtes libre de choisir vos propres entreprises qui vous plaisent. Voilà, la première société que nous allons voir, c'est la société qui est déjà dans mon portefeuille, c'est la pharmaceutique suisse Roche Holding. C'est clairement une société qui est orientée oncologie, donc... comme vous pouvez voir sur les deux tableaux que vous avez sur votre écran, vous avez les produits, le pipeline des produits qui sont sur les phases 3 ou les phases déjà en commercialisation. Donc vous voyez que pour oncologie, ils ont déjà trois produits qui sont commercialisés et ils ont tout un tas de produits, sept lignes de produits approuvés qui sont en phase 3. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà un pipeline qui est rempli, ils sont déjà allés jusqu'au bout de leur validation pour être commercialisés prochainement. Donc en plus, cette société, elle est positionnée, elle est une des plus diversifiées parce qu'elle a même elle fournit même des matériels pour médical, donc pour les opérations. Donc ça veut dire qu'elle intègre le plus grand nombre pour moi des différents... sous-branches de l'activité pharmaceutique. Donc on peut voir, c'est l'immunologie, ophtalmologie, infection, cardiométabolisme, neurosciences et les autres, c'est notamment le matériel médical. Donc vous pouvez voir qu'ils ont plein de produits qui sont déjà commercialisés et encore beaucoup qui seront bientôt commercialisés. Aujourd'hui, nous allons regarder les rentabilités de cette entreprise et c'est là où je trouve qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Donc ça, c'est les screenshots que vous pouvez retrouver sur GuruFocus. Ça, c'est le logiciel que moi, j'utilise. Donc, on regarde, on voit que la rentabilité financière, donc Financial Strength, c'est pas la rentabilité, mais surtout la solidité financière, elle est largement, largement suffisante. Donc là, il n'y a pas énormément de dettes. Donc, score Piotrowski, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ensemble des différents ratios qui ont un système de scoring assez populaire. 7, c'est très élevé, donc c'est une entreprise très intéressante. Altman Z-Score, la société qui peut évoluer la probabilité de la faillite de l'entreprise. On est à 5,5, c'est énorme, c'est juste énorme. Donc, pour tout vous dire que... L'entreprise considérée comme solide de point de vue à Altman Z-Score, c'est les entreprises qui ont ce score supérieur à 1,8. Donc 5,5, c'est-à-dire que la faillite de l'entreprise n'est même pas envisageable. Donc, et en plus, le BNHM score, il est largement dans la zone non manipulateur, c'est-à-dire que comptabilité ne présage aucune fraude possible. Vous voyez, donc ça c'est la qualité suisse de pur sens du terme. En plus, la profitabilité de l'entreprise, là, on score 8 sur 10, donc vraiment quasiment tous les indicateurs sont dans le vert de point de vue de la rentabilité. Et la politique de dividende, elle est également relativement généreuse, donc payout ratio 60%, c'est pas beaucoup,
C'est ni faible ni beaucoup, c'est normal. Donc, et ça vous donne aujourd'hui 3% de dividendes, ce qui, de nos jours, qui est quand même assez relativement généreux. Sachant que les taux sans risque sont à zéro, voire négatif. Et ensuite, à droite, vous avez les différents, vous avez des différents ratios qui peuvent être aussi intéressants pour évaluer l'intérêt de cette entreprise. PE ratio pour Roche Holding devant, c'est normal, c'est pas... Price to book, c'est pas forcément un vrai indicateur pour ce secteur. Price to sales 4,3, ça peut paraître beaucoup, mais pour une entreprise de cette qualité, c'est pas étonnant. EBIT to EBITDA, en fait, ça c'est l'indicateur que j'ai mis inférieur avant. Ici, on a 12,5, ça se rapproche vraiment à mon niveau de sous-valorisation, parce que moi je trouve que justement pourquoi j'ai encore augmenté ma position sur Roche Holding récemment. Et que cette entreprise, aujourd'hui, elle n'est pas chère sur le marché. Voilà, current ratio supérieur à 1, ça veut dire que leur obligation, leur engagement court terme sont largement inférieurs à leurs actifs court terme, dans le cash, les actifs liquides. Voilà, donc, de point de vue financier, c'est excellent. Vous avez le tableau que je fais sur TradingView. Le premier tableau, c'est la croissance de leur chiffre d'affaires tout en haut. De 2006 jusqu'à aujourd'hui, vous voyez que la croissance elle est très stable. Ensuite, au milieu, vous avez le EBITDA, la croissance d'EBITDA qui est également stable, croissante. Et à la fin, le troisième bloc, c'est l'évolution de ROIC. Donc ça, c'est l'évolution de leur rentabilité financière. Donc là, vous voyez qu'elle montait jusqu'à 2014, après il y a eu un gap, et là maintenant, elle restait stable, mais à des niveaux très très confortables. Voilà, donc c'est une entreprise rentable et en plus n'est pas très chère au cours actuel. Voilà, concernant les cours actuels, donc voilà où nous sommes point de vue bourse. Donc là, on est coté, au moment quand j'ai enregistré cette vidéo, autour de 300 CHF sur la bourse suisse. Et on est très loin des plus hauts, on est très très loin des plus hauts. Donc ça veut dire que cette entreprise, elle est très intéressante. Et moi, j'identifie les niveaux d'achat à 300 où j'ai augmenté ma position. Et après, un excellent niveau, si le marché nous le offre, c'est à 270. Comme vous savez, si vous avez vu ma vidéo des prévisions 2021, je m'attends qu'il y aura une correction. Bon, évidemment, sur une année, il y aura forcément au moins une correction. Donc, dans ce cas-là, si cette correction arrive comme moi, je m'attendais vers fin janvier, février, dans ce cas-là, et si on reste sur ces mêmes cours, donc sous l'influence des marchés, on peut facilement toucher à 2070. Donc on peut se dire pourquoi j'achète maintenant, parce que moi je rentre graduellement dans la position, parce que si jamais il n'y a pas de correction, je ne veux pas perdre cette opportunité, parce qu'à 300 CHF, je trouve déjà, ce n'est pas très cher comme point d'entrée. Voilà, concernant Roche Holding. Maintenant, Johnson & Johnson. Johnson & Johnson, c'est une société qui est diversifiée non seulement dans le secteur médical, mais aussi dans des produits de la consommation. Donc, on connaît Johnson's Baby, tout un tas de produits qui ne sont pas vraiment des produits pharmaceutiques. Donc, vous avez aussi ce deuxième volet de diversification et ils sont aussi présents, tout comme Roche Holding, sur tout un tas d'activités médicales comme services médicaux, comme les produits pharmaceutiques qui sont déjà évidemment disponibles. Et en plus, leur pipeline, il est quand même aussi bien rempli comme vous pouvez voir sur votre écran. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est intéressant par rapport à Johnson & Johnson ? Johnson & Johnson, point de vue valorisation actuelle, pour moi, il me paraît quand même assez cher. Mais par contre, il y a un potentiel. On parle très peu du vaccin Covid de Johnson & Johnson qui est pourtant très intéressant de point de vue de ses caractéristiques. Donc, il est de point de vue de transportation et de point de vue de efficacité. C'est juste qu'il n'a pas eu un approval encore, mais en tout cas, c'est un vaccin qui est très prometteur et qui peut être tout à fait un vrai concurrent pour des vaccins qui ont déjà été validés. Donc, je pense que malgré le prix quand même assez cher de cette action, il y a encore du potentiel. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette liste. Concernant la rentabilité, on retrouve plus ou moins les mêmes chiffres comme pour le Roche Holding, donc les flux financiers croissants, la stabilité financière confortable, c'est même plus profitable encore que Roche Holding, le dividende légèrement inférieur, mais à peu près le même payout ratio, 0,60%, 62%, et les flux financiers qui sont croissants sur les trois graphes que vous voyez. Donc là, il y a eu un gap de rentabilité. Rentabilité est légèrement inférieure à celle de Roche Holding, mais dans tous les cas, vous avez quand même plus de diversification aussi.
Et il est un petit peu plus cher, vous voyez sur le ratio PE ratio, il est à 24 et EV EBITDA, il est à 15,5. Donc là, on est sur des valorisations un peu plus délicates, ce qui est le cas globalement pour tout le marché américain où les valeurs sont plus chères que sur le marché européen. Voilà. Maintenant, concernant les points d'entrée, là par contre, malheureusement, nous sommes proches à des niveaux historiques. Voilà. Donc en cas de correction, encore une fois, je vais racheter cette valeur. Je ne l'ai pas encore dans mon portefeuille à cause des prix. À cause des prix, j'ai raté malheureusement ce gap baissier pendant la crise de Covid. Je ne l'ai pas acheté sans vent. J'ai dû le faire, mais je ne l'ai pas fait. Et maintenant, j'attends que à la prochaine correction, je vais commencer à l'acheter autour des niveaux 144, puis 132. Et si le marché nous offre 120, donc évidemment, ça sera une énorme opportunité de rentrer sur cette valeur de grande qualité. Voilà, c'est tout pour Johnson & Johnson. Maintenant, Merck. Bon, c'est une société que moi je croyais toujours allemande, mais finalement, apparemment, elle est internationale, donc elle est quelque chose entre les États-Unis et l'Europe, en gros. Donc, en tous les cas, vous voyez que les produits qui sont déjà commercialisés, qui sont très connus, donc là, je pense que la plupart de ces produits, vous les connaissez. Donc ça, c'est un bon signe, cela veut dire que c'est des produits qui sont communs de nos yeux, en fait, on les achète souvent, c'est des vitamines, des différents médicaments de tous les jours. Ils sont aussi positionnés sur oncologie, immuno-oncologie, immunologie, néurologie, donc et Global Health, ça c'est les produits que vous voyez sur votre écran. J'ai fait aussi la présentation, un petit extrait de leur pipeline, donc ceux qui sont en phase 2 et en phase 3. Cette société elle a un petit peu moins, je trouve, des produits en phase 3 que les sociétés précédentes, donc ça veut dire que leur potentiel de bonnes surprises dans l'avenir, pour moi, elle est légèrement plus faible que pour les sociétés précédentes. Mais dans tous les cas, il y a des produits qui sont en attente de leur validation, notamment dans le traitement du cancer, donc ce qui va évidemment en secteur qui est très porteur. Ensuite, un point de vue valorisation, donc la santé financière, nous sommes aussi dans les chiffres très confortables, un petit peu moins bonne que Johnson & Johnson et Roche. En tout cas, la profitabilité elle est très élevée, le dividende elle est supérieur à deux sociétés précédentes, mais pas beaucoup. Et par contre, la valorisation, elle est plus... Elle est moins exigeante, donc on a 17 PER, EV EBITDA, elle est presque le même que Roche Holding. Donc c'est une société qui est valorisée correctement, elle est valorisée plus ou moins comme le Roche Holding. Voilà, donc... De point de vue technique, en fait, cette société aussi, elle n'est pas au plus haut. Donc, comme encore une fois, ça, de point de vue prix, de prix d'action, ça ressemble beaucoup à Roche Holding. Nous sommes sur des points, on approche des points intéressants pour rentrer dans cette position. Mais pour moi, je trouve qu'on peut attendre un petit peu plus parce que là, vraiment, on est au plus haut du marché. Donc, cela veut dire que on peut essayer de rentrer tout de suite. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura certainement une petite correction prochainement, dans les prochaines semaines. Et on pourra en profiter pour entrer à des niveaux 78-75 $ sur cette action de qualité. Ensuite, Pfizer. Pfizer, ça, on entre dans une autre catégorie des actions qui n'a pas respecté mes critères de sélection. Mais en tout cas, moi, j'y vois le potentiel. Déjà, Pfizer, il possède des brands qui sont super connus. Donc, vous voyez sur votre écran tous ces brands, donc il y a le Centrum, il y a Advil, il y a Viagra aussi, donc et il y a tout un tas de produits qui sont commercialisés mondialement, ils ont des rentabilités de fou. Évidemment, le deuxième point pour le Pfizer, c'est la première société qui a trouvé le vaccin pour le Covid, qui a eu l'approval de la FDA. Par contre, aujourd'hui, son vaccin, il a pas mal de critiques. Donc déjà, sa conservation, sa transportabilité, la logistique qui devrait liée à ce vaccin, elle n'est pas évidente. Et aussi, il y a eu des rumeurs comme quoi il y a une personne qui a tombé par terre après avoir été vaccinée. Donc bon, c'est pas rigolo, mais en tout cas, il y a beaucoup de critiques en ce moment précis pour le vaccin de Pfizer. Donc il faut quand même faire attention parce qu'il peut se faire dépasser par les concurrents qui produisent de plus en plus de vaccins et ça devient le marché de plus en plus compétitif. Donc dans le pipeline, évidemment, ils ont plein de produits en phase 3. Donc cette entreprise, malgré que ses chiffres de rentabilité pour moi sont moins bonnes que les autres, que pour les sociétés précédentes, en tout cas le potentiel est là. Et donc c'est une entreprise que moi j'aimerais bien avoir dans le portefeuille. Concernant son état fondamental, donc
la santé financière, elle est plus faible. Vous voyez, Altman Z-Score à 2,5. Donc évidemment, il n'y aura pas de faillite. Mais bon, en tout cas, la dette, elle est déjà plus exigeante. Donc ensuite, la profitabilité, elle est au top, toujours au top. Là, par contre, là, le dividende, il commence à se rapprocher de 4%. C'est déjà très intéressant. Par contre, et le prix, de point de vue PE et point de vue EBITDA, donc ça, c'est quand même assez élevé. Moi, je pense que... Parce qu'en fait, le prix, il a bénéficié de ce nouveau... son succès avec le vaccin contre le Covid. Donc, on peut attendre les prix vraiment à 30 $. Ça sera vraiment un prix excellent. Mais en tout cas, de point de vue de prix, il ne faut pas se précipiter trop. Voilà, concernant les prix, vous voyez, donc le premier niveau qui est assez proche, c'est à 35. Mais je pense que ça ne sera pas un niveau de folie. Après, le niveau de folie, évidemment, ça se trouve déjà vers les 30 et voire en dessous. En dessous, c'est vraiment la valeur à avoir dans son portefeuille. Bon, Sanofi, maintenant, ça, c'est l'entreprise que vous connaissez parfaitement parce que c'est notre chère valeur française. Donc, évidemment, les produits, vous le savez, aussi de Doliprane, tout un tas de vaccins aussi qu'ils font. Donc là, vous avez aussi la liste des produits dans les pipelines. Donc, ils sont positionnés sur des secteurs de immuno-inflammation, oncologie, rare disease, après rare blue disease, c'est les maladies sanguins rares, donc là j'ai mis en anglais, donc je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait en français. Bon, et les vaccins, comme je vous ai dit. Vous avez la liste des produits qui sont en phase 3, donc ça c'est vraiment la liste, elle est très encourageante, donc ça veut dire qu'il y a du potentiel que Sanofi délivre des produits dans la phase finale de commercialisation, donc il y en a plus que chez Pfizer, et chez Merck surtout. En tout cas, par contre, il y a des nouvelles, en fait, des points qui me dérangent un petit peu sur Sanofi, c'est qu'apparemment, ils ont perdu la guerre des vaccins, parce qu'en gros, leur vaccin n'a pas réussi de passer la phase, donc du coup, ils sont en retard par rapport à ce vaccin. Donc, un autre point qui est plutôt positif, c'est leur diversification géographique, parce qu'ils sont exposés à la fois aux États-Unis, même plus qu'en Europe, et l'Europe, évidemment, aussi un de leurs marchés principaux. Donc, ils sont un petit peu partout dans le monde, mais c'est le cas aussi pour des sociétés précédentes. Mais en tout cas, Sanofi, malgré que c'est une entreprise française, c'est pas si loin d'être que la France. Donc, en tout cas, son retard sur le Covid me dérange un petit peu. Et par contre, leur rentabilité, vous allez le voir sur le slide suivant, qu'elle est encore... elle est plus faible que chez les autres, donc 7 sur 10. Et la santé financière, Altman Z-Score, si vous pouvez voir, elle est 1,6. Donc du coup, ici, on arrive dans les zones qui sont dangereuses, de point de vue faillite. Vous m'entendez bien. Donc là, je ne dis pas qu'il y aura une faillite de l'entreprise, parce que forcément, il y aura toujours des financements pour Sanofi. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas dans la zone de danger, parce que la zone de danger, ça concerne négatif. Donc ça, c'est vraiment la société qui s'approche de la faillite. Mais vous voyez que par rapport à ce que nous avons vu avant, c'est quand même le ratio qui est quand même très faible. Donc la profitabilité, elle est bonne, donc 7 sur 10. Et ensuite, par contre, le ROIC, ça, c'est la rentabilité compte tenu de la dette, donc qui présage beaucoup, beaucoup de mauvaises dettes. Vous voyez que le ROIC, il descend à partir de 2010. Donc 2010, ROIC ne fait que descendre. Donc ils deviennent de moins en moins rentables. Donc ça veut dire qu'ils ont probablement beaucoup de dettes. Donc c'est pour ça, certainement, le Altman Z-Score, elle est aussi faible. Mais par contre, c'est pas de la bonne dette, visiblement. Parce que cette dette ne contribue pas dans leur résultat. Donc, et par contre, de point de vue valorisation, c'est celle qui est la plus intéressante, ce qui est logique. Donc, parce que PE ratio, vous avez en dessous de 10, et EV EBITDA à 6. Donc là, je pense que c'est vraiment, au niveau des prix, c'est une valeur intéressante. Et je vais adapter une stratégie, vous allez voir ça un petit peu plus tard, assez particulière par rapport à Sanofi. Probablement, au prix actuel, je vais la mettre dans le portefeuille PEA, à voir, parce que je ne l'ai pas encore fait. Mais en tout cas, c'est fort probable que je vais la mettre dans le portefeuille PEA, en tout cas à plus long terme. Mais dans mon personnel portefeuille Mind the Cash, je vais avoir une autre stratégie par rapport à Sanofi. Donc, et cette stratégie, elle est plutôt technique, elle est presque spéculative, mais plutôt à long terme. Donc, en gros, cette société, depuis 2013, elle ne fait quasiment rien, elle reste dans le range entre 70 et 90 euros. Donc, en fait, et ici, la stratégie qui s'impose pratiquement, une fois qu'on se rapproche à 72, on achète, donc soit on achète une action, soit on achète les options call, et quand on arrive à 90, ou on se rapproche de 90, on commence à alléger la position, ou bien si vous êtes plus spéculatif, vous pouvez prendre une option put, ou faire du short, je ne vous conseille pas. Voilà, bon, je ne vous conseille rien déjà de toute façon, mais en tout cas, short en général, ça ne fait pas partie de cette stratégie.
Mais en tout cas, la prendre à des niveaux 72 et vendre autour de 90, c'est la stratégie que moi je vais appliquer dans mon portefeuille long terme. Parce que moi je veux quand même avoir de temps en temps d'exposition à cette valeur, mais ce n'est pas une valeur qui est pour moi la valeur que je veux garder tout le temps dans le portefeuille. Voilà. Et la dernière valeur que nous allons voir aujourd'hui, elle est très particulière, c'est Bayer. Il fut un temps quand c'était une des grandes valeurs de pharmaceutique. Mais par contre, ils ont fait une très 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 mauvaise acquisition. Je vais vous lire tout ça, parce que ça, c'est vraiment super important pour comprendre cette valeur. Donc évidemment, ils ont plein de produits, l'aspirine notamment, donc il y a plein de produits. Mais en tout cas, l'acquisition qui a eu lieu en 2018, oui, si ma mémoire est bonne, elle a tout changé pour cette entreprise malheureusement. Et donc là, je vais vous lire un petit peu un petit texte sur l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, en août 2018, deux mois après que Bayer a acquis Monsanto, une société américaine de jury a ordonné à Monsanto de payer 289 millions de dollars à un jardinier de l'école qui a affirmé que son lymphome non hodgkinien, pardon, j'ai du mal à prononcer ces mots-là, était causé par l'utilisation régulière de Roundup. Roundup, c'était un produit phare de Monsanto. Un herbicide à base de glyphosate produit par Monsanto. Suite au verdict, le cours de l'action Bayer a chuté à environ 14% ou 14 milliards de dollars en capitalisation boursière. La société a intégré appel de 18 septembre 2018. Le 13 mai 2019, le juge de la Cour supérieure des États-Unis a ordonné à Bayer de payer plus de 2,5 milliards de dollars de dommages d'intérêt à un couple en Californie, tous deux contractant un lymphome non hodgkinien, qui a ensuite été ramené à 87 millions de dollars en appel. Donc en juin 2020, la société a accepté de payer 9,6 milliards de dollars pour régler plus de 10 000 poursuites judiciaires pour préjudice de Roundup, affirmant que cette action entraînera la résolution de 75% des réclamations. En fait, en gros, bon, je pense que c'est déjà assez pour vous donner de l'information. En gros, l'achat de cette Monsanto en 2018 est tourné en affaire catastrophique, littéralement, avec ce produit Roundup. Et donc, du coup, ils ont dû payer quasiment 10 milliards de dollars. Franchement, les Monsanto, ils ont vendu au bon moment parce que littéralement, quelques mois après, il y a eu ce drame en fait. Et Monsanto, à la base, c'est une société américaine de biotechnologie agrochimique et agricole fondée en 1901, donc il y a plus de 100 ans. Monsanto a développé un Roundup, un herbicide basé à glyphosate dans les années 1970 et est devenu un producteur majeur des cultures génétiquement modifiées. Donc c'est un petit peu comme l'entreprise CRISPR dans laquelle j'ai investi. Dans la partie édition du génome, donc là j'en parle dans le portefeuille humain de cash assez régulièrement, mais en gros ça, Monsanto, c'est un peu ça, mais pour les cultures végétales en fait. Donc en gros, ils voulaient se diversifier, Bayer, donc ça c'était leur stratégie depuis des années, mais là cette fois la diversification s'est tournée en réelle catastrophe. Vous allez voir que sur le graphique, l'action elle est massacrée, elle reste toujours massacrée parce qu'ils n'ont toujours pas digérer en fait ce choc de Monsanto. En tout cas, si on joue l'histoire de Bayer, en fait, quelque part, on joue le retour à la normale, en fait, parce que si Bayer va devenir à nouveau le Bayer d'avant, donc s'ils vont pouvoir se rétablir après cette chute. Donc vous voyez, les flux financiers, c'est même pas la peine de regarder la rentabilité, les ratios, parce qu'ils sont largement affectés par cette affaire de Monsanto. Vous pouvez voir que la chute des profits est évidente à partir du moment qu'ils ont acheté Monsanto, et aujourd'hui leur rentabilité est à 2%, même pas 3% de rentabilité après cette affaire. Donc voilà, et le cours de bourse, voyez qu'à partir de depuis 2012, on est au plus bas. Donc on est vraiment très 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 bas. Et moi, je veux avoir cette entreprise parce que moi, je crois que Bayer pourra quand même s'en sortir. Il aura en fait l'année 2021, ça sera difficile pour Bayer, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est à ces niveaux-là, je vais commencer à accumuler ma position sur Bayer. Pour l'instant, je vais le faire de manière pas très agressive, mais au fur et à mesure, je vais augmenter mon exposition. Voilà, maintenant nous arrivons à la stade finale de cette vidéo. Donc là, je vais vous parler quelle sera ma sélection. Donc je vous rappelle que tout le portefeuille
dans le portefeuille Mind du Cash, je veux m'exposer à 15% sur ces valeurs-là. Donc, maintenant, la première chose, la première action que je choisis, c'est Roche Holding. Roche Holding, ça sera, ça fait déjà partie de la sélection Mind du Cash, et donc ça représentera 25% des Big Pharma. Ok. La deuxième valeur, ça sera Johnson & Johnson. Donc ça sera aussi 25%. Ça, c'est deux meilleures entreprises du secteur. Donc c'est juste que Roche, je trouve qu'en plus, en termes de prix, c'est assez intéressant. Ensuite, Pfizer. Pfizer, déjà, je suis encouragé par leur succès du vaccin, par leur pipeline riche, et donc par donc, du coup, leur perspective de faire une bonne surprise. Ça sera pourtant 15% parce que cette société ne respecte pas certains critères de la rentabilité que je me suis fixé. Merck, c'est une autre valeur de très bonne qualité que je veux aussi avoir à 15% dans mon portefeuille. Et la dernière, ça sera Bayer que je viens de vous présenter. C'est une histoire de retournement en espérant que Bayer va rentrer dans la catégorie de top pharma après son histoire désastreuse de Monsanto. Donc 10% seulement pour Bayer. Et la dernière ligne, ça sera Sanofi. Et Sanofi, je vais m'exposer à 10% de manière spéculative. Vous voyez, donc ça sera... ça sera spéculatif entre 70 et 90 euros. Donc là, je vais rentrer dans la position et sortir et rester dans ce range. Donc en gros, je vais être présent dans cette valeur, mais pas en permanence. Juste pour vous simplifier la lecture de ces pourcentages, en fait, si on part qu'on affecte 15 000 euros sur toutes ces valeurs-là de grande pharma, en gros, la répartition serait 3 750 pour Roche et Johnson, 2250 pour Pfizer et Merck, et 1500 euros pour Bayer et Sanofi, respectivement. Voilà, en gros, c'est ça l'idée de cette vidéo. C'est nous commençons à faire un parcours de la répartition globale de portefeuille Mind du Cash. Donc, je vais encore enregistrer plusieurs vidéos. On va analyser tous ces secteurs en détail. On va détecter les pépites. Et à la fin de la vidéo, je vais vous dire quelles sont mes valeurs cibles. Donc, à la fin de cette vidéo, je vous invite à cliquer le bouton like. C'est super important pour moi pour déjà voir si ce type de vidéo vous intéresse. Inscrivez-vous à la chaîne Mind du Cash si ce n'est pas encore fait. Et rejoignez la page Facebook si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite tout le meilleur. À très bientôt. Et Mind du Cash. Bye bye.